Ah, c'est horrible et oh là, hyper aigu. Oh là. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo, je pense, Storytime. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo très particulière pour moi et très personnelle. Je vais vous parler du fait d'être maman. Je vais vous raconter un peu mon histoire, mon parcours, etc. Depuis mon plus jeune âge, je déteste les enfants. Voilà, disons les choses franchement. Un enfant, quand j'en vois un, je le trouve dégueulasse, je le trouve horrible. Il a une tête, voilà. J'ai beaucoup de mal à avoir de l'affection pour les enfants. Du coup, je suis un petit peu considérée comme un monstre. Il y a certains qui vont, ils vont être outrés de ce que je suis en train de vous raconter. C'est la vérité. J'arrive pas. J'ai pas cet instinct maternel qui me dit que quand je vois un enfant, bon bien évidemment s'il est en danger je serai la première à le secourir, mais évidemment à choisir entre passer une heure avec un bébé et une heure avec un chaton, croyez-moi que c'est le chaton qui va l'emporter haut la main. J'ai toujours été un peu repousser des enfants. Ensuite j'ai grandi et ça allait mieux, mais avec des certaines catégories d'âge. Quand l'enfant commence à se débrouiller, à parler, etc., à comprendre, etc., je commence à bien m'entendre avec cet enfant. Sans plus, hein, c'est pas non plus une grande joie dans ma vie. Genre quand je vois des enfants, je suis pas hyper heureuse. Je le dis haut et fort pour plein de femmes, et je ne suis pas la seule, j'ai du mal. Même si on me regarde très bizarre. Mais attendez juste avant de vous enflammer les team maman depuis le plus jeune âge. Parce qu'évidemment j'ai des copines à moi qui sont team maman depuis le plus jeune âge, qui sont très passionnées par les enfants. Leur but dans la vie, c'est d'avoir des enfants. Pour elles, c'est un goal ultime et je l'accepte totalement. Des copines à moi, leur goal ultime depuis leurs 15 ans, c'est d'avoir des enfants. Moi, mon goal ultime depuis mes 15 ans, c'est de m'acheter un appartement. Chacun est comme il est et je critique pas du tout les team maman parce que moi, je trouve ça incroyable. Donc, j'ai toujours été en mode ouais, les enfants, moi. Donc, voilà, je suis arrivée à l'âge de 20 ans, convaincue et affirmant haut et fort que je n'aurai jamais d'enfants. Et en fait, je pense et je suis persuadée, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que tout le monde autour de moi, depuis mon plus jeune âge, me dit je ne te verrai jamais maman. Léa, toi, de toute façon, je te verrai jamais maman. Et même bien avant que j'ai cette angoisse de voir des gosses, tout le monde m'a toujours répété je ne te verrai jamais maman. Parce que t'es trop égoïste, parce que t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Oh les gars, j'ai 15 ans. Je vais pas commencer à penser à tout le monde alors que t'es en adolescence, et si tu penses pas à ta gueule à l'adolescence, tu penseras jamais de ta vie. Hein. Parce qu'après, tu deviens adulte et tu peux plus penser qu'à ta gueule. Actuellement, j'ai pris mon chat, hein, je peux plus penser qu'à ma gueule. Je fais tout en fonction de lui alors qu'à part bouffer des croquettes et lécher le cul, pas grand chose. Donc je pense qu'on m'a tellement bravaché avec de toute façon, je te verrai pas avoir d'enfant, que je suis arrivée à un âge où je me disais bah, j'en aurais pas. Comme ça, le débat il se faisait pas. Parce vu que j'en parlais jamais, les gens ils étaient en mode ouais bah Léa c'est la meuf qui aura jamais d'enfant. Du coup bah je coupais court et je disais bah j'aurai jamais d'enfant. Du coup c'est acté chez moi, Léa elle aura jamais d'enfant. Ça a toujours été en mode oui ça sert à rien d'en parler avec elle, de toute façon elle en aura pas. Les gens ils m'en parlaient plus et j'étais plus emmerdée par oui alors les enfants Léa tu sais t'as 20 ans faudrait penser à te poser. Quoi? J'ai 20 ans faudrait penser à me poser? On n'a pas du tout les mêmes objectifs de vie. Pour moi les 20 ans d'aujourd'hui c'est les 10 ans d'hier et les 30 ans d'aujourd'hui c'est les 20 ans de hier. Je suis jeune, là j'ai 25 ans, je suis jeune en fait. Pour moi personnellement 20 ans c'était trop jeune pour me poser et avoir des enfants. Pour moi, j'étais encore une enfant. Et donc, du coup, j'ai coupé court. Ça veut dire que j'ai jamais trop eu cette pression autour de moi me disant alors, t'auras quand des enfants, etc. Parce que j'ai tellement été sûre de mes choix en mode gna gna gna. Mais au plus profond de moi, je pense que j'ai toujours su que je voudrais des enfants. Je l'ai toujours su. Mais je pense que je l'assumais pas parce que j'avais pas envie qu'on me critique et ça me faisait chier. Débat stérile, ça a rien d'en débattre à 20 ans, c'est pas aujourd'hui. Ensuite, j'ai, il y a 3 ans, donc à 22 ans, il y a eu un heureux événement dans ma famille qui est donc la naissance de ma petite nièce et que vous avez sûrement dû voir passer par-ci par là dans les snaps. Donc ma belle-sœur de qui je suis très proche et de qui j'aime, que j'aime énormément, donc a eu un petit bébé, enfin une ma nièce. Et là, à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie et dans ma tête. Faut savoir que mes parents et vos parents, évidemment, quand vous allez grandir, vous allez sûrement changer. J'espère pour vous que vous allez changer, surtout. En vrai, j'ai envie de chialer, hein. C'est un sujet qui me fait super mal au cœur parce que c'est dans le fond, c'est hyper triste, hein, ce que je vous raconte. Hein. Je vous raconte que je me suis forcée à jamais vouloir d'enfant parce que les gens étaient convaincus que je pouvais pas en avoir. C'est super triste, hein, mais ça va, je le vis bien parce que j'ai du recul. Donc voilà, vos parents, une image de vous, sauf que mes parents et tous les gens que j'ai de ma famille proche, sauf quelques personnes, ont toujours cette image de moi, de la petite Léa, qui était une Léa différente d'aujourd'hui. C'était pas la même personne. À l'époque, je me considérais vraiment comme un loup. Aujourd'hui, j'ai énormément changé, j'ai énormément pris sur moi. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, j'ai 25 ans et je suis la petite maman de tout le monde. Moi, la petite maman. C'est-à-dire que ça, t'as pensé à prendre ton chargeur? T'as pensé à mettre ton petit gilet dans ton sac? C'est moi. J'ai tellement d'empathie et tout ça pour les gens que l'égoïsme que j'avais quand j'avais 15 ans, il n'existe quasi plus aujourd'hui. Bien évidemment, si je te connais pas et que tu me casses les couilles, là, je te dis pas que je vais te filer n'importe quoi, mais aujourd'hui je ne suis plus cette personne égoïste que j'ai été hier et je regrette pas de l'avoir été un temps de ma vie, hein. Mais je pense qu'à un certain âge il faut commencer à changer pour le bien de soi et le bien des autres. Mais bref, tout ça pour vous dire que ma nièce a changé littéralement la vision que j'avais des enfants et de moi. Mais j'ai toujours su, toujours, même si je ne l'ai jamais dit, que j'étais capable d'avoir un enfant et d'élever toute seule. Alors que pourtant ma mère n'a pas cessé de me le répéter, jamais je te verrai avec un enfant, hein, nanana. Mais moi je le savais que moi je me verrais avec un enfant. Je suis pas la maman qui va être hyper protectrice à faire attention à te... Bon, je sais que bien évidemment faut pas qu'il
bouffe la litière du chat. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que tu découvres dans le tas, je pense. Je pense que la maman parfaite n'existe pas et je pense qu'il y a toute une pression autour de ça, de la maman parfaite en fait. Si t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, tu peux pas avoir d'enfant. Si t'as pas un instinct maternel, tu peux pas avoir d'enfant. Si t'es pas attiré par les enfants, bah tu peux pas en avoir, c'est limite. Il faut que t'aies des enfants, mais si t'es comme ça, vaut mieux pas que t'en aies, mais quand même en aisant, parce que au final, c'est quand même bien, parce que tu vois, t'es quand même sur terre pour avoir des enfants. Sinon, il y a tout le monde qui te met la pression psychologique autour et je trouve ça horrible. Hein, si vous voulez pas d'enfants, vous en faites pas. Si vous en voulez, vous en faites. Et je reviendrai ça par la suite avec un truc qui va vous horrifier et que vous allez me tuer. Voilà, chacun est libre d'avoir des enfants ou non. Point. Faire du débat. Et le truc, c'est que voilà, ma nièce a grandi et bien évidemment, plein de fois je l'ai gardée, plein de fois je me suis occupée d'elle, plein de fois ci, plein de fois ça, plein de fois je lui ai mis la crème solaire parce que je savais qu'elle sortait et que personne ne me l'a dit, hein, mais c'est instinctif, hein, genre c'est un enfant. Genre mon chat, je m'en occupe très bien, mes animaux, je m'en occupe très bien, mes potes qui sont des enfants, je m'en occupe très bien. Aujourd'hui, je suis prête à avoir des enfants et je suis prête psychologiquement à avoir des enfants. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans et c'est la première fois que je peux vous dire que j'ai envie d'avoir des enfants. J'en ai jamais eu envie avant et je peux le dire haut et fort en m'en battant réellement les couilles de ce que peuvent penser les gens autour de moi, de ce que peuvent dire les gens autour de moi. Je sais que je serai une bonne maman. C'est pas du tout autant de ma part. Bien évidemment, je serai pas parfaite. Hein. J'ai pas dit que je serai la maman de l'année, je serai pas la maman parfaite. Je serai que je serai une bonne maman. J'ai même pas de doute là-dessus. Je pense que du moment où vous aimez votre enfant, du moment où vous êtes là pour essayer de le rendre meilleur et être positif avec lui, vous serez une bonne maman. Je pense que le reste, on s'en bat les couilles en fait. Aujourd'hui, voilà, je sais que je vais être maman. Bien évidemment, la question n'est pas à aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Hein. La question, c'est plutôt quand j'aurai plus 30 ans. Et donc, on va venir à un autre sujet, quand j'aurai plus 30 et quelques années. Vous prenez juste, il y a un arrière, quand des copines à moi me disaient qu'elles étaient enceintes, je commençais à faire des crises de panique. Bon, j'ai pas de copine proche qui est enceinte, mais j'ai de l'entourage et moi j'étais en mode crise de panique. Genre, non, moi non, laissez-moi loin de tout ça. Alors qu'aujourd'hui, non. Bon, laissez-moi loin de tout ça encore jusqu'à 30 ans. Voilà, vers 30 ans, je commencerai à me poser des questions. Après, bien évidemment, si je suis avec un mec depuis un an, je ferai pas d'enfant avec. J'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'être avec quelqu'un en qui j'ai confiance, je ferai pas un enfant avec le premier venu. Et limite, non, je préfère pas avoir d'enfant que faire ça. Je suis prête à avoir des enfants, je suis prête à être maman. D'ici 5-6 ans, je pense que voilà, je pourrais en faire. Bien évidemment, il faudra que je trouve la personne parfaite hein, pour en faire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça aide pas non plus à la quête, hein, voilà. Mais je pars du principe que si aujourd'hui je tombe enceinte par miracle et par magie, parce que si le petit bébé arrive à passer alors que j'ai une contraception comme le stérilé, c'est que vraiment il sera battu pour être là. Donc si ça devait arriver aujourd'hui, bien évidemment, je garderai l'enfant parce que je peux financièrement, mentalement et je peux sur tous les domaines, voilà, garder mon enfant. Mais je ferai tout pour pas que ça arrive aujourd'hui parce que j'en veux clairement pas aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre débat que j'ai envie de parler. C'est le débat d'avoir des enfants. Vous allez me dire, mais quelle grosse conne, hein, vous avez le droit, et je veux vraiment que vous pensiez pas ça en fait quand je vais vous le dire. Mais je pense aussi qu'avoir des enfants, c'est très égoïste. Voilà, c'est lâcher, la bombe est lâchée. On va en parler. Si toi tu as envie d'avoir 10 gosses, je vais pas te juger. Je vais juger personne. Je connais des gens qui aiment bien avoir beaucoup d'enfants, etc. Mais moi je pense que avoir des enfants c'est égoïste parce que je suis dans tout un système dans ma tête qui est plutôt sur le fait qu'on est déjà beaucoup sur terre, qu'on manque de ressources, etc. Moi ça va plus loin que mon petit foyer, etc. Et je comprends totalement les gens qui ont besoin d'avoir des enfants. Par contre, je veux vraiment vous dire, je ne critique pas et je ne vous juge vraiment pas assez. Chacun fait comme bon lui semble, comme si t'as envie toi d'avoir 10 gosses, tu le fais, si t'as envie d'en avoir aucun, tu le fais, c'est tout. C'est chacun, voilà, pour tout, hein, je suis vraiment un bisounours, mais je tiens à le dire. Sauf que pour moi, avoir 3, 4, 5 enfants dans ma vision de la vie, je ne pourrais pas le faire parce que c'est comme adopter des chiens à la SPA et faire des portées de chiens. Voilà, après vous allez me dire, c'est des chiens, c'est pas des humains, mais en vrai, on en fait tout un débat pour les chiens. Les associations qui disent, oui, c'est pas bien, pas payer des chiens parce que du coup, ça crée des petits gens qui sont abandonnés, etc. Mais il y a des milliers d'enfants qui sont abandonnés tous les jours. Enfin bref, il y a dans des pays, il y a des conditions horribles où enfin bref, c'est pas du tout un sujet très joyeux, mais je pense que avoir un enfant à soi, c'est bien parce que bien évidemment, c'est le mélange de ton chéri et de toi, c'est votre petit bout de vous qui courait, etc. Mais un, c'est bien. Même moi, j'ai cette vision, genre je me dis avoir un enfant c'est égoïste, je vais en faire un parce qu'après tout, je le suis un peu égoïste. Hein. Je dis pas que je suis une bonne personne et que voilà. Mais personnellement, je me dis si j'en veux plus, ben, peut-être que je penserai à adopter. C'est pour ça que dans ma stratégie d'enfant et dans ma stratégie de vie, pour avoir un enfant assez tard, puisque j'en veux qu'un seul, en tout cas qu'un seul à moi. Après, je vous dis ça, hein, dans 10 ans, s'il faut, j'en aurai 4, 5 à moi. Et je vous dirai, ben nique sa mère l'écologie. Hein. Mais c'est vrai que je me dis qu'il y a plein d'enfants qui sont malheureux déjà, il y a plein d'enfants qui sont sur Terre, et il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et quand on me dit oui, mais tu l'aimeras jamais comme ton propre enfant, sachez que ce petit caca qui est en train de dormir à côté de moi, quand je lui ai dit, il se lâche le cul toute la journée, il bouffe des croquettes. Et pourtant, les gars, je l'aime, mais d'un amour inconditionnel. Hein. Genre, je vous imaginez pas à quel point je l'aime. Et en plus de ça, il est même pas la même espèce que moi. Vraiment, genre, je sais même pas comment vous pouvez avoir ce genre de discours. Tu l'aimeras moins parce que ce sera pas le sien.
Ça, je suis pas d'accord. Ça, par contre, je le tolère pas du tout. Je sais pas, genre, du moment où vous vous occupez H24 de quelqu'un, que ça soit un animal, une personne âgée, enfin, il y a de l'attachement. Mais même moi, je suis attachée à mes plantes, les gars, donc vous inquiétez pas. Hein. Mais après, je sais que c'est compliqué d'adopter, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et on n'en est pas là. C'est tout ce que j'avais envie de vous raconter sur ma vision à moi personnelle de l'enfance et des mamans et tout ça. J'avais envie de vous en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, enfin, de filles ou de personnes qui sont un peu dans un mood où est-ce que c'est normal, etc. Après, bien évidemment, il y a le truc qui s'appelle l'horloge biologique. Je sais pas si ça existe vraiment ou si c'est un fantasme un peu. Je pense que, en fait, on est des animaux. Pas vraiment, ça dépend, en fait on est des animaux pour ce qui nous arrange, j'ai l'impression. Genre faites ce que vous voulez, moi en tout cas c'était ma vision à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas si vous êtes dans le même cas que moi, sachez que on verra bien ce qui se passe demain. Vivez aujourd'hui, aujourd'hui vous n'avez pas d'enfant, et demain vous en aurez peut-être. Sur ce, ciao.